Abdes, ben, ça me fait énormément plaisir, je disais à Ayoub, de te revoir, parce que moi je t'ai connu comme ça. Non, j'exagère, hein, je t'ai connu bien avant. Et ça me fait plaisir, mais vraiment un plaisir énorme de te voir. Ben, sincèrement, c'est un plaisir partagé. Comme je te l'ai dit, j'ai demandé après toi à ton collègue, ça faisait un bail qu'on ne voyait plus dans les salles, donc c'est un plaisir partagé également. Alors, ben, t'as rien perdu, le sens du but est toujours là, tu mets le premier. Ben, écoute, avec un peu de chance, on va dire, je mets le premier, mais on va dire que c'est de la chance, c'est le travail de l'équipe, mais dommage qu'on laisse filer un point, parce que je pense qu'on a géré le match du début à la fin, on était plus dangereux qu'eux, mais bon, le futsal, ça reste des détails, et on n'a pas su gérer la fin de match, et on laisse partir un point à Liège. Qu'est-ce qui a fait que justement vous n'avez pas su tuer ce match? Parce que les occasions, elles étaient là, vous en avez eu. On ne concrétise pas assez les occasions, je trouve qu'on a trop raté et on a remis l'adversaire dans le match. Parce que si on marque 2-3 buts, si on marque nos occasions, je crois que le match est plié. Mais voilà, comme on dit au futsal, c'est jamais fini. Donc même quand il y a 2 goals d'avance, il ne faut pas se laisser aller. Alors, on a avec Ayoub, il y a la Coupe de Belgique, la demi-finale aussi. On aurait pu dire, oui, bon, maintenant le championnat, c'est un peu filé, juste pour se concentrer sur la Coupe, c'est pas du tout la mentalité de Bruxelles, ça. Non, c'est pas la mentalité, et en plus, c'est qu'on n'est pas en tout garanti pour les playoffs. Là, comme aujourd'hui, on laisse filer un point important, je trouve, parce qu'on joue lundi en championnat contre Rhénovache, qui est aussi un concurrent pour les playoffs. Ils ont une bonne équipe, ils se renforcent avec certains joueurs de l'Union belge. Donc voilà, aujourd'hui on a laissé filer un point, peut-être qu'il va nous coûter les playoffs, j'espère pas en tout cas, mais voilà, rien n'est garanti encore. Ce serait une grosse déception de ne pas avoir les playoffs et d'avoir la Coupe de Belgique. À choisir, tu choisirais quoi? Les playoffs ou la Coupe? Sincèrement, moi je suis un compétiteur, donc je veux les deux. Franchement, comme on est des battants, on est des lions, je suis dans cette équipe, et on veut les deux. Donc aller le plus loin possible, et... mais je dirais plus les playoffs que la Coupe, mais bon, et comme je te disais, compétiteur, donc on vise les deux. J'adore cette réponse, c'est la meilleure que tu peux me donner. Écoute, avec plaisir, et sincèrement, c'est un plaisir de te revoir en tout cas. Moi aussi, remets le bonjour à la famille. Autant de leur part. Alfredo, je te fais une bise. Merci. Avec plaisir. Et quand tu veux, la prochaine fois, je te ferai café. Merci à toi.